Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. Donc c'est parti tout de suite. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit haut chez Bershka. Donc au niveau des détails, il y a les épaules un peu en touché suédine, je pense pas que ce soit de la vraie, mais voilà. Il est aussi asymétrique en bas, légèrement. Et donc je l'ai pris en kaki, il était aussi en bordeaux, et je sais plus, en noir peut-être. Donc je l'ai eu à 8,99€ au lieu de 17,99€. Donc là, c'est là que j'en ai acheté le plus. Donc, un petit pull comme ça. Bon, je sais pas si c'est du rex ou pas, mais enfin, il est légèrement pailleté. Il est très transparent, donc bien sûr, il faut mettre quelque chose en dessous. Dans les tons gris. Et je l'ai payé 12,99€ au lieu de 15,95€. Également, j'ai pris ce pantalon donc qui est un crop pant, comme les crop tops, mais pantalon, donc légèrement plus court en fait qu'un pantalon normal sur la cheville. Et donc je l'ai pris en kaki, je trouve que il était assez bien taillé. C'est pas toujours le cas, mais là il me vient plus. Au niveau des détails, donc sur les poches, on a un petit empiècement. On va dire imitation cuir. Ici aussi sur les poches avant. Avec la fermeture. Et voilà, donc celui-là, au lieu de 29,95€, je l'ai payé 18€. Hein, on va arrondir, 17,99€. Voilà. Toujours, j'ai pris donc ce petit débardeur, donc 7,99€ au lieu de 15,95€. Je l'ai pris en S, et donc c'est, vous savez, touché doux un peu, donc suédine toujours, donc en marron. J'aime beaucoup cette matière, donc j'ai un peu craqué, même si c'est pas du tout la saison pour porter des débardeurs. J'ai aussi pris une jupe en jean, je sais pas si c'est une jupe crayon, une jupe mi-longue. Bon, je l'ai prise en 38 aussi, je l'ai payé 15,99€ au lieu de 25,95€. Et le détail, enfin, ce qui fait que j'ai voulu l'essayer, parce que généralement les jupes en jean ça ne me va jamais, mais là il y avait une fermeture éclair sur le côté. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance pour que ça soit mieux taillé que d'habitude. Donc je vous la montrerai sur moi après, vous verrez ce que ça donne. Il n'y a pas de détails particuliers, si ce n'est les boutons. En fait, on peut ouvrir que les deux premiers, hein. Ensuite évidemment c'est cousu. Ce qui n'est pas plus mal, parce que bon, ça évite les accidents d'ouverture de jupe involontaire.
taille haute, jaune moutarde. Donc vu que c'est un taille haute, bah, exceptionnellement j'ai pris en 36. J'ai payé 10 euros au lieu de 19, enfin au lieu de 20. On va dire qu'il était à 50% celui-là. Et je trouve ça sympa, j'aime bien la coupe, j'aime bien la couleur. Chez Eram, je me suis pris des chaussures. J'ai longuement hésité, mais bon. Elles n'étaient pas beaucoup soldées, elles étaient qu'à moins 20%. Donc, sachant que c'était à 79 euros, moins 20%, je les ai donc eues à 64 euros. Et ce sont des escarpins Salomé en fait. J'aime beaucoup la forme. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait donc cette petite bride qui tient bien le pied. Elles me tiennent bien le pied de toute façon. Elles sont assez confortables à l'intérieur, c'est un petit peu moelleux. Comme je suis très sensible au niveau des pieds, j'ai hésité sur la taille. J'ai hésité entre 38 et 39, j'ai pris le 38 et j'espère que je ne regretterai pas. Donc voilà, j'ai aussi pris ces boucles d'oreilles là. Vous savez, avec la boule derrière, mais... la boule est trop petite je pense, donc du coup ça se voit pas beaucoup. Je les ai payés 3 euros. Le petit flocon est sympa devant, donc voilà. Et puis bah voilà, c'est tout, c'est déjà très bien. Je vous dis à bientôt.